Swear. Ok. Bon bah bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est à maintenant... Soir. Peut-être 2 heures après la fin du combat. Ça va, franchement ça va. Comment tu te sens là maintenant? Oui, ça va. Bah déjà pas de bobo, c'est le principal, c'est ce qu'il faut remarquer. Bah, l'être humain, il a pas de bobo, il souffre pas, c'est déjà une bonne chose. On repart en plus de ça avec une victoire. Contre un nom, contre quelqu'un qui était bien classé. Donc, quand même content pour ça. Forcément, il y a les à côté, surtout il y a Dana qui a parlé en mode bon, en gros, les gars, en fait, il attendait plus, il est frustré parce qu'il attendait vraiment plus de ce combat-là. En fait, je pense que c'est toute sa soirée qui n'a pas été ouf, en fait. Je pense que déjà, il a eu beaucoup d'annulations sur sa fight card, qu'il n'y a eu qu'un seul TKO. Que tout est parti à la décision, y compris son main event où il pensait que ça allait être électrique. Et malheureusement, il n'a pas passé de bonne soirée, du coup il n'était pas trop content et c'est le main event qui a pris un petit peu, quoi. Donc j'ai gagné, donc c'est moi qui ai pris un peu, tu vois. et ouais, sinon ça va, on est content dans l'ensemble. Et comment tu l'analyses toi ta performance du coup? Comment est-ce que tu as vécu le combat et comment est-ce que tu as vu les choses? Oh, très clairement, un petit goût amer. Parce que là, après, je me dis, merde, j'aurais dû... Est-ce que j'aurais pas dû prendre plus de risques? Et au final, tu vois, c'est comme le démon vient. Mais non, mec, prends pas... T'as bien fait de pas prendre de risques. C'est un mec qui gagnait tous ses combats de cette manière-là. Quand les mecs se jetaient à lui, c'est son game. À 90%, c'est comme ça qu'il couche ses gars. C'est sur des contres, c'est sur des choses comme ça, des accélérations. Donc l'un dans l'autre, je me dis oui, non, oui, non, oui. Donc j'ai envie de me coucher et de penser à rien d'autre et prendre l'avion demain. Parce que c'est frustrant d'avoir une victoire et de pas être heureux, tu vois. Mais c'est vrai que d'autant plus que tu es là depuis le 13 et sur la carte de Nassourdine qui était la semaine dernière... Il y a eu le main event en poids lourd aussi qui était Derek Lewis contre Curtis Blaydes. Curtis Blaydes à un moment donné a fait un truc et qui lui a coûté en un quart de seconde la victoire par KO. Ouais, enfin, il a perdu par KO du coup. Et on sait vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans la chambre avec Fernand, c'est Dana White est un peu frustré, etc. Mais là, tout de suite, on pourrait être en train de se dire « Pourquoi est-ce qu'on a tenté un truc? On a pris un KO, machin ?» Ça aurait pu être le même scénario, c'est clair. Parce que du coup, on voit bien, une fois, j'essaye de l'amener au sol. Parce que on s'attendait vraiment à ce qu'il mette une pression, en fait. On s'attendait vraiment à subir une pression, des accélérations. Comme on pensait vraiment qu'il allait sauter sur nous, qu'on allait pouvoir vraiment changer de niveau de manière easy. Malheureusement, il ne m'a pas laissé beaucoup d'opportunités de pouvoir changer de niveau. Donc c'est même moi, à un moment donné, j'ai été chercher. Et c'est là où j'ai senti que, bon, le gars, il attend... Que ça aurait pu très bien donner une Derrick face à Blade, en fait, tout simplement. C'est des mecs qui sont dangereux sur un coup, et bon, bah, si tu te livres, tu peux payer le truc, tu vois. Donc, on est encore une fois, on retourne dans un sentiment un peu mélangé, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est l'impression que ça donnait, en tout cas, pour finir sur le ressenti de ton combat, c'est que clairement, il n'attendait qu'une chose. C'est le contre, et du coup, ce qui fait qu'il était très attentiste, c'est l'impression que ça donnait en tout cas. Et c'est vrai que... Bah, d'ailleurs, j'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, clairement. Et je sais plus si tu t'en souviens des chiffres, mais... Ouais, c'était trois fois plus d'activité. Ouais, c'est surtout, moi, ça a atterri, et lui, son chiffre, c'était lancé, genre. C'était même pas forcément atterri, tu vois. Donc, peut-être ça aurait donné un autre combat s'il avait donné un peu plus de sa personne. Du coup, c'est vrai que c'est dur en plus de ça de... Bah, le mec, tu sais qu'il va vouloir te contrer uniquement. Puis toi, t'es là, tu boxes, tu touches. Puis tu dis, bon, je vais boxer sur 4 coups. Mais quand je me dis ça, je me dis, bah, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va me toucher. Alors pourquoi je vais persister à boxer sur 4 coups, tu vois? Est-ce que... Enfin,
sais, Pourquoi c'est prendre des risques, quoi. surtout que moi, c'est ce que je disais, je suis ce genre de combattant assez prudent, tu vois. Pour autant, bah, ça s'est vu, j'avais pas peur de ses coups. Hein. C'est pas ça, c'est juste que j'aime bien ne pas prendre de coups, tu vois, aussi simplement que ça. Et que dans ma carrière, j'ai jamais eu de bobo, j'ai jamais eu de coquard au visage, j'ai jamais eu de, tu vois. Je suis ce genre de combattant, tu vois. Et donc pour le coup, ouais, face à un mec qui ne se livre pas trop, etc. Ouais. Mais je suis content parce que j'ai quand même. Je l'ai complètement anesthésié, tu vois. Et puis tu as pu montrer différentes facettes de ton jeu. Ouais, je l'ai ramené au sol, j'ai failli l'étrangler, c'est trop dommage. Tout petit coup, petite tête comme ça là, et j'ai pas réussi à bien passer mon bras en dessous. Il s'est relevé tout de suite, et moi, c'est ce que je disais, je suis pas du genre à mettre les crochets parce que j'ai tout de suite peur, tu vois, qu'il penche le buste en avant et qu'il me laisse tomber et qu'il prenne la position, tu vois, au-dessus. J'aime pas trop ça, donc quand je sens que ça peut partir et que j'ai plus mes pieds au sol, je lâche un peu, tu vois, c'est dommage, j'aurais pu tirer bien un peu plus fort. Mais bon, voilà, des petites choses comme ça, des petits genoux qui sont bien placés, l'overhand où je suis en gaucher, feinte de jambe, je passe en droitier, boum, overhand, boum, on sent qu'il vacille. Le high kick, pareil, il a vacillé, hop, il se Ouais, redressait, toi tu boum, il disais que a tu l'avais vacillé. senti sonner plusieurs fois. Oui, il a été sonné 3 fois, je crois. Il a été sonné 3 fois. Donc c'est pas des sonnés genre waouh ou genre j'ai C'est pas pu. des knockdowns, mais C'est toi pas tu des l'as senti sonner. knockdowns, mais c'était des. Voilà, ça l'a touché. Bon après, il y a les jabs qui l'ont touché et tout, hein, il n'y a pas de. Mais je veux dire, 3 fois, je l'ai touché. Et il y a 2 coudes qui ont failli passer aussi salement, tu vois. Alors, j'aurais bien voulu les passer ceux-là. Donc voilà, plein de petits détails qui font qu'on est un petit peu frustré. Mais par contre, il y a des moments aussi, et d'ailleurs on n'en a toujours pas parlé même avec Fernand et l'équipe et tout ça, c'est les moments, est-ce que tu peux parler des moments où tu répondais directement à Fernand en mode, tu peux répéter, j'ai pas entendu s'il te plaît. Ouais, je lui dis, parce qu'en fait, il criait un truc et il avait son masque. Et donc vraiment, quand je comprenais pas ce qu'il disait, tu vois. Et donc je lui ai crié, je lui ai répondu, tu dis quoi, le King? Ben écoute, je communique avec mon coach, j'ai le droit, c'est pas interdit, tu vois. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça dénote quand même que t'étais à l'aise, quoi. Enfin, Oh non, il j'étais n'y avait vraiment pas de complètement à panique. l'aise. C'est-à-dire que je l'ai senti entre lui et moi. J'ai senti, ça veut pas dire qu'il n'aurait pas pu me mettre un coup surprise ou quoi, tu vois, mais j'ai senti que dans les échanges, j'étais très à l'aise, pour pas dire trop dominant, quoi. J'étais vraiment, je sentais que je pouvais même moi le cueillir sur un contre s'il voulait un peu plus venir. J'avais envie qu'il vienne un peu plus pour le contrer, que ce soit en lutte, boum ou machin en haut. Et bon, voilà, on refait pas. Et si, comme dit Alan, on referait un monde avec des siens. En tout cas, là maintenant, c'est quoi le futur proche et à quoi tu penses là pour ce qui arrive? Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que dans la team, on avait des plans un petit peu en fonction du résultat qu'on allait faire ce soir. On s'attendait à gagner, mais à gagner autrement, pour pouvoir ensuite avoir une force de négociation ou une force de position. Là, j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas. Du coup, je sais pas trop. Et je préfère ne pas y penser pour l'instant ce soir. Je veux juste rentrer chez moi tranquillement, me reposer, puis repartir à l'entraînement et repartir sur des cycles. Et voilà. C'est tout pour l'instant. Bah écoute, parfait. Est-ce que tu as un petit message pour tes fans, ceux qui te soutiennent? Bah ouais, plus ça monte, plus il y a d'engouement, ça c'est magnifique. Et je le sens et je vous vois, même si je peux pas répondre à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait drôle parce que bon, ça fait pas longtemps que je suis dans le circuit et voir tout cet engouement-là, ben, c'est un peu fou. Alors, pour autant, je l'accepte avec plaisir, bras ouverts. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et vraiment, si je le fais aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui je suis un peu déçu, c'est parce que j'aurais aimé aussi vous donner un peu plus d'émotion. Un peu plus d'émotion ce soir. C'est vrai que ben, les retours sont très positifs. C'est pas ça, les retours sont très positifs. J'ai que des waouh, masterclass, ouais. Mais je sens que si j'avais mis un KO, si j'avais mis un étranglement ou un truc spectaculaire, ça aurait même pas été des mots, ça aurait été des waouh, waouh, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait donné un peu plus d'étoiles dans les yeux des gens, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai envie de donner aux gens. Ce soir, ça n'a pas trop été le cas, ça a été plutôt une masterclass en mode technique, mais bon.
En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup la France, même en dehors de la France, mais là je sais que je m'adresse aux Français. Donc vraiment merci beaucoup pour le soutien et pour la croyance que vous avez en moi, dans le sens où je suis un jeune mec qui vient d'arriver dans le circuit, donc on ne sait même pas exactement ce que je vaux vraiment en haut niveau. Bon là, voilà. Et vous croyez en moi à fond, quoi, vraiment, vous êtes vraiment bon, quoi, ouais, bon gamin, il va le terminer, c'est sûr, machin, et tout. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc gros merci. Bah, merci Cyril, et puis à très vite hein, pour le futur de la catégorie polo à l'UFC. À très vite, PY. Soit.